Ok les gars, vous vous demandez comment gagner plein d'XP sur Fortnite avec la nouvelle saison qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, comment être niveau 100 rapidement, comment débloquer le pass entier, etc. Sachez que moi je suis niveau 67, j'ai pratiquement pas joué, j'ai fait que des glitches d'XP. Dans cette vidéo je vais vous montrer un glitch d'XP qui est incroyable, vraiment, c'est pas celui qui rapporte le plus mais c'est celui qui est le plus fiable et qui va durer dans le temps. Si cette vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à la liker, à t'abonner si c'est pas fait et à marquer un petit commentaire, tu marques genre bien joué etc, ça me ferait plaisir et je likerai ton commentaire. Pour cette vidéo je serai accompagné de mon petit frérot Chopper qui va lui-même faire le glitch d'XP. On verra si ça fonctionne tout simplement pour deux personnes ou une personne à la fois. Pour commencer le début de ce glitch, vous allez vous rendre où il y a tous les modes de jeu, donc juste ici. Vous avez le code qui s'affiche directement à votre écran, moi j'ai déjà la map dans mes favoris. Vous faites jouer, moi ce que je vous conseille de faire c'est mettre partie privée. Je vous conseille vraiment de mettre en partie privée, au moins vous serez tranquille tout seul et on se retrouve directement dans la map. Ok les gars, dès que vous arrivez dans la map, vous arrivez donc dans ce petit magnifique lobby. Donc bien évidemment on n'oublie pas le petit code créateur Access5022 dans la boutique. Vous allez cliquer là sur la petite molette, vous faites lancer le jeu et là vous allez arriver dans le jeu. Je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc là vous spawnez, vous avez respawn left ou respawn right. Donc vous allez aller à droite et vous prenez le premier qui est juste ici. Ensuite vous prenez le petit grappin, il est juste là qui respawn. Ensuite vous allez tout simplement chercher un sniper, que ça soit un barrette ou un sniper normal, c'est pareil. Donc on prend le petit barrette. En fait il faut qu'on arrive à ôter le fond qui est autour de la map, ok. Donc tout simplement il y a écrit juste là, il y a écrit clear. Vous mettez une petite balle de sniper et là la map elle s'ouvre. Faut vraiment le faire parce que c'est vraiment ce qui va jouer pour le glitch XP qui va suivre maintenant. Donc là vous vous rendez à la petite cabine qui est juste là. Vous allez construire 3 escaliers, donc 1, 2, 3. Voilà, vas-y Chopper, tu peux venir me rejoindre si tu veux. Ok, ensuite, donc là, vous mettez un petit sol. Là, vous remettez un petit escalier. Et là, vous mettez encore un petit sol. Et là, vous allez aller mettre une plaque juste devant. Et là, vous verrez, il y a une petite lueur qui apparaît à l'écran. Je ne sais pas si vous avez le temps de la voir. Mais en gros, ça veut dire que si vous avez cette lueur, ça veut dire que c'est le glitch XP est en place. Donc là, vous allez juste faire une emote. Et là, vous verrez qu'on va gagner de l'XP. Regardez, 2000, 3, 4000, 5000, 6000. On va gagner 10000. Et en fait, les gars, vous pourrez relancer la map tout le temps. Et ça marchera pareil. Alors moi, peut-être que j'atteins la limite d'XP quotidienne, ce qui est pratiquement sûr. Donc au début je sais que je gagnais 50 000, 60 000 d'XP, c'était incroyable. Et du coup ensuite vous relancez la map et je vais vous prouver que quand on relance la map, et bah tout simplement on regagne de l'XP. Ok donc les gars, dès que vous arrivez au lobby, donc vous remettez le code de la map. Moi je vais aller dans mes récemment joués, je vais mettre 1v1 map infinite. Vous avez encore le code qui apparaît à l'écran, vous mettez partie privée et vous mettez jouer. Et tout simplement on se retrouve dans la map. Ok les gars, donc là on se retrouve directement dans le lobby. Donc c'est parti, on fait lancer le jeu. Et là je vais vous montrer vraiment que on peut le faire en infini, vraiment c'est incroyable. En plus ça se relance vraiment vite. Donc là vous allez dans respawn right et vous prenez celui d'à gauche. Ensuite vous prenez un petit grappin et ensuite vous allez directement chercher un sniper, donc le jeune barrette qui est juste là. Ensuite vous faites demi-tour, voilà, vous allez mettre une petite balle où il y a écrit clear, voilà comme ça. Là la map elle s'ouvre. Ensuite vous allez à la petite cabine qui est juste là, vous mettez 3 escaliers, donc 1, 2, 3, hop vas-y viens. Et là on met un petit sol, un escalier, un petit sol encore, et ensuite vous mettez un petit sol devant. Et là vous avez une petite lueur, vous dansez. Et là regardez, c'est magnifique, on regagne de l'XP. Donc c'est vraiment en infini les gars, on peut le faire en infini. Donc vraiment profitez-en. Et dites-moi combien ça vous rapporte vous quand vous faites la map. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à la liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et si ce genre de vidéo vous plaît, j'en referai plein. Et moi je vous dis, passez une bonne soirée, un bon matin ou un bon midi. Ciao.